What's up tout le monde, c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News. Et aujourd'hui donc, on se retrouve pour une vidéo en fait sur GTA V. Mais comme vous pouvez le constater, parce que normalement je me filme en même temps, hein, je vais essayer de le faire plus souvent, de me filmer et tout, parce que je trouve que c'est un peu plus sympathique pour la personne qui va regarder la vidéo. Je me suis cassé une partie de ma main en fait, là c'est toute la partie là. Je pense qu'on s'en fout parce que, en fait c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Donc j'en parlerai je pense prochainement. C'est juste que hier et avant-hier j'ai pas pu sortir malheureusement de vidéo parce que j'étais en hospitalisation, donc c'était un peu galère de le faire, et puis surtout j'étais extrêmement fatigué, je suis toujours un petit peu, et on va commencer donc avec ce sujet principal que vous avez dû sans doute, avant de regarder la vidéo, cliquer sur le titre, avec une sorte de DLC, tout ça, qui devait sortir ce week-end. On va essayer de se remettre un peu dans l'actualité, c'est pour ça que je fais cette vidéo là, donc à propos de ce DLC où beaucoup de gens ont parlé, à propos d'un DLC survie et sur la police, c'est-à-dire sur survie ça va être voilà un peu ce qu'on retrouve actuellement, mais c'est plus un DLC sur la police, c'est-à-dire le fait de pouvoir incarner des policiers, de en gros d'attraper les voleurs, de faire des trucs comme ça. C'est vraiment des choses qui ont été mises en avant sur un site internet qui avait dit comme quoi en gros ce vendredi là, puisqu'il y a eu en fait on appelle ça la PlayStation Experience, en gros il y a eu une sorte de ce vendredi là une sorte de meeting avec Sony. Ce qu'il faut savoir c'est que GTA V a un petit partenariat avec Sony, c'est-à-dire que voilà, Sony et GTA V, ils ont des petits liens d'amitié qui feront que normalement on devrait avoir des exclusivités sur GTA V sur PlayStation qu'on ne devrait pas avoir sur Xbox, voilà, chez Microsoft. Donc ça, sachez que ça risque d'arriver très prochainement. Alors, il y a eu un fameux, donc normalement un DLC sur la police et sur le mode survie qui s'est avéré complètement faux. Donc faites attention au niveau des sites internet. Ce site internet là, je vais vous montrer une image sur l'écran, sachant aussi qu'il a fait aussi un autre site sur un autre jeu, donc Halo, comme quoi il faisait aussi des trucs et tout, et c'était complètement du bidon. Donc c'était HaloWars.com pour les gens qui veulent savoir. Donc soi-disant ce week-end, donc bon, déjà c'est vrai qu'il y a eu un meeting avec Sony, c'est-à-dire que Sony ont présenté des petits trucs et tout. Et puis en fait ce site là, ils ont tout simplement dit que le 12-7-14, mais là on va l'inverser parce que là c'est en mode British, que en gros le 7-12-14, en gros il allait avoir soi-disant donc une sorte de de DLC qui allait se mettre en œuvre et tout avec Sony, qu'ils allaient le présenter, ce qui était tout à fait possible parce qu'en fait il y avait une exclusivité et tout, mais voilà, pour l'instant, pour vous dire, il n'y a rien au niveau des DLC. Peut-être que dans quelques jours on aura des petites choses qui vont arriver. C'était juste pour vous dire ça, parce que si vous pensez toujours qu'il va y avoir un DLC police et tout, c'est du fake. Il n'y a rien pour l'instant là-dessus. Peut-être que ça peut arriver, bon ça peut être une bonne idée, hein, le fait d'incarner la police, de faire un truc comme ça, mais pour l'instant c'est complètement du fake, il n'y a aucune information là-dessus malheureusement. Et puis surtout sur les anciennes générations de consoles, ça va devenir de plus en plus mec, c'est-à-dire qu'on va pas avoir grand chose maintenant sur ces générations de console là. Voilà, c'était une petite information pour vous, pour vous dire bah voilà que c'était complètement du fake, faut faire attention, mais que pour l'instant niet nada, il y a absolument rien comme information pour en tant que DLC, des trucs comme ça, en espérant qu'il va en avoir, parce que pour l'instant il n'y a rien de sûr. Ce que je voulais vous dire aussi, je tenais aussi à vous remercier aussi au niveau des messages et tout qu'on m'envoie. On m'envoie beaucoup de messages en fait à propos de ce futur GTA, GTA 6. Il y en a plein qui m'envoient des idées, des hypothèses, des trucs comme ça. C'est un truc de malade. Et que pour l'instant, j'ai pas encore traité. Donc voilà, je tenais aussi à de vous remercier. Si vous avez des idées, des trucs comme ça, n'hésitez pas. Christo69@gmail.com. Voilà, sinon, moi j'espère que vous allez bien. Demain, c'est lundi, donc en gros, la reprise des cours pour certaines personnes. Et puis voilà, merci pour tous les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. Surtout de me suivre sur ma page Facebook personnelle. Je vous dis bien de me suivre en fait sur ma page Facebook personnelle et non de me parler, parce qu'il y en a qui comprennent pas très bien. Ils me disent oui, mais ça sert à rien de te suivre sur ta page Facebook personnelle parce qu'on peut pas te parler. Bah, je peux pas parler à tout le monde, et en plus, en ce moment, c'est un peu galère de parler avec la main gauche parce que je me suis pété la main droite. Et c'est vachement galère.
voilà, c'est encore plus galère. Donc imaginez, avant je parlais pas trop sur Facebook et tout, parce qu'en fait, quand, enfin, on va pas parler de ça aussi toute la journée, mais quand t'as des discussions avec des gens, tu parles à une personne, après tu dois parler à une autre personne, après tu dois parler à une autre personne, et c'est en moyenne 20 personnes à qui tu dois parler et répondre à toutes les discussions et tout, c'est vachement galère. Mais des fois je mets en œuvre des petits trucs, du style des fois Snapchat, des fois je mets As, des trucs comme ça que j'ouvre. Ça dépend des fois, mais voilà, j'essaye des fois de faire des trucs comme ça. Voilà, merci pour tout, puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, peace out.